Salut l'équipe, c'est Mika Lash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mes collègues Brian et Ryan, juste ici présents. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, tout simplement, on va piéger une personne qui s'amuse en fait à harceler ta copine depuis plusieurs mois. Je te laisse raconter un petit peu ton histoire. Bonjour Ryan. Ça fait 2-3 mois qu'il y a quelqu'un qui harcèle ma copine sur Instagram. Elle me l'a pas dit de suite, elle me l'a caché parce qu'elle voulait pas que je m'énerve parce que j'ai un tempérament un peu sans chaud. Et du coup, elle me l'a caché. Sauf que le mec faisait que créer des comptes pour lui reparler. Et au bout d'un moment, je suis tombé sur un message. Et je lui dis c'est quoi ça, au final elle m'a tout expliqué. En fait elle le bloquait et le mec il... Et au bout d'un moment je tombais sur un message, pourquoi tu me bloques sur tous les comptes. Du coup j'ai commencé à me dire qu'est-ce que tu me caches, et elle m'a tout expliqué. Ça fait 3 mois que ça dure je crois. Et là ça fait 2 semaines qu'elle m'a dit ça. Du coup là on va aller le voir et on va voir ce qui va se passer. Hein. Donc ce qu'on va faire comme on avait dit, c'est que là t'es connecté sur l'Instagram de ta copine. Donc on va appeler le fameux harceleur. Tu vas te faire passer pour ta copine en essayant de prendre une voix un peu de fille, c'est de faire du mieux que tu peux. Et on va lui faire croire en fait que t'acceptes le rendez-vous. Sauf qu'au final c'est sur toi qui va tomber. Allô. Ouais, ça va. Enfin, tu me réponds. Ça fait plaisir, hein. Et ouais, parce que mon copain, il était là, je pouvais pas trop te répondre. Ah, t'as un copain ? Ouais, j'ai un copain, mais faut pas que ça soit, surtout pas, sinon je vais avoir des problèmes avec lui. On s'en fout de ton copain, moi j'en ai rien à... Copain, je t'attrape, je monte en l'air. Ah ouais, tu me protégerais et tout ? Mais bien sûr, je te protégerai, ton copain, j'en ai rien à... Tu me ferais des trucs de fou. Ah ouais, t'es pas, bon, ça va. Ouais, mais... mais pourquoi tu m'avais insulté et tout avant, quand je t'avais bloqué ? Parce que j'ai fait 30 comptes pour venir te parler. À chaque fois que je fais un compte que j'allais te parler, je voulais rien te faire de mal et tu me bloquais, Enfin, moi ça m'a énervé. Ouais, mais c'était par rapport à mon copain en fait. Mais moi je savais pas que c'était par rapport à ton copain. Moi je savais pas, tranquille. Mais ton copain, t'as pas ton copain, on s'en fout ton copain. Ouais, t'as raison. Bah ça te fait moi et moi, ton copain, on s'en fout. Mais tu voulais faire quoi avec moi si on se voyait? Bah je voulais qu'on... voilà, qu'on se pose un peu, enfin voir... un peu plus d'affinité, mais déjà voilà, qu'on se pose. Après, moi, je veux du concret, je veux pas. Ouais, ça tombe bien, moi aussi. Moi aussi, je veux du concret et tout, mais. Du coup, on peut se donner rendez-vous quand? On peut se donner rendez-vous aujourd'hui si tu veux. Ah, t'es disponible aujourd'hui? Ah, ouais, moi, je suis disponible tout l'après-midi, je suis disponible. Donc, écoute, moi. Tu peux te donner rendez-vous vers 16h si tu veux. 16h? Vers où? Je sais pas si tu vois. Ouais. On peut donner rendez-vous là-bas vers 16h. Bah vas-y, je vais arriver d'ici 20 minutes moi. 20 minutes Ça me donne le temps bon. Non, c'est bon, c'est impeccable. Bon ben. A tout à l'heure, bisous. À tout à l'heure. Le fils de. Il a dit 20 montées en l'air. Il a bien parlé, donc on verra s'il assume ses paroles en tout cas. Bon, l'équipe, là, on vient d'arriver sur le lieu, on a donné rendez-vous au fameux harceleur. Donc, je parle pas très fort parce qu'il est juste derrière, en fait. Là, on l'a vu, il est assis sur un banc, pensant attendre ta copine. Ce qu'on va faire, c'est que je vais y aller. Au pire, quand tu vois et tout, tu viens à un moment et t'interviendras. Comme ça, gros, du coup, je laisse gérer les histoires entre toi et lui. Et nous, tu sais, s'il y a besoin d'intervenir ou quoi que ce soit, on est là. Je vais faire le tour, je vais aller par l'avant. C'est parti. Salut frérot, excuse-moi de te déranger. Depuis tout à l'heure, en fait, j'étais en train de tourner et je cherchais un carrefour. Il n'y en aurait pas un dans le coin. Il n'y a pas de carrefour aussi. Il n'y en a pas. Ici, il n'y a pas de carrefour aussi. Ah, c'est dommage, parce que j'avais tellement envie d'y aller. Ça fait longtemps en plus, j'y suis pas allé. Je crois la dernière fois que j'y suis allé, c'était pour les vacances de 2016, je crois. J'étais allé au rayon yaourt, je crois. Ouais, ça me fait quoi? Et franchement, non, c'était lourd de ouf. Et du coup, tu vois, j'aurais bien aimé y retourner cette année. Mais le problème, c'est que là, j'ai l'impression que ça a géchant un peu, t'as vu. C'est maintenant, 2020 et tout, tu vois, les gens, ils prennent la confiance et... Attends, je suis là, tu viens me parler, tu me parles d'un carrefour. Il n'y a pas de carrefour ici, puis moi, je m'en fous, c'est pas mon problème. Bon, ok, non, pas de souci, excuse-moi de t'avoir dérangé, frérot, parce que comme je me sentais un petit peu seul, tu vois, je t'ai vu, c'était plus, on va dire, histoire de venir un petit peu aborder la conversation. Tu fais quoi? Moi, je suis seul ici, je suis très bien et... C'est pas tes affaires. Moi je suis ici, je pose des questions à personne. Ouais. Donc non, c'est bon. Va ton carrefour et laisse-moi tranquille. Non, y'a pas de soucis. Moi je veux surtout pas te déranger. Juste c'est pour savoir que tu. Parce que c'est vrai ici, y'a rien ici frérot, tu fais quoi? On se fout des affaires. Tout le monde a le droit de rester à un endroit. C'est pas tes affaires. J'ai le droit de rester là seul. Vas-y, franchement, tu vas. Vas-y frérot. Moi aussi, je suis seul et tout. Ouais, entre. Ouais, vas-y. Bon, j'attends une meuf. Mais ça reste entre nous. Attends, une meuf? Ouais, j'ai pas une meuf. Ah ouais? Bah, si, c'était bien, c'était un peu isolé, enfin, voilà. Et vous, tu l'attends pour faire que vous allez faire quoi?
Ici, tu connais, on va faire quoi? On est tous les deux dans un coin isolé, avec une meuf, tu sais ce qui va se passer. Ah non, bah moi, écoute, je me balade, tu sais, un petit peu ici de temps en temps, comme c'est plutôt bah, tranquille, comme tu dis, tu vois. Et c'est vrai, des fois, ouais, bah, je rencontre des gens et tout, et c'est toujours sympa de discuter un petit peu, t'as vu? Et tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est faire des débats ou quoi, ou voilà, genre. Mais t'es célibataire, toi, du coup? Ouais. Ouais? C'est bon. Parce que moi aussi, je suis célibataire, en fait. Ah ouais? Et en fait, du coup, je voulais te dire aussi que, t'as vu, si je viens de parler aussi, c'est pas anodin. Pour te dire la vérité, je te trouvais plutôt mignon, en fait. Non, 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 mais attends, moi je te stoppe là, frérot. Moi j'attends une meuf là. Va voir ailleurs, va voir ailleurs, va voir ton carrefour, c'est mieux. Ah non, 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 laisse-moi gérer mes bails. Ouais, mais tu me dis que t'es célibataire aussi. Oui, je suis célibataire pour les femmes. Ouais, mais gros, attends. Franchement, ce genre de mec comme toi là, qui viennent comme ça, qui est aguicheur un petit peu là, qui disent ouais, moi je suis célibataire, ceci, cela. Après, faut pas s'étonner après. Faut pas s'étonner de se faire harceler. Faut pas s'étonner après. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh non! Hey, c'est moi qui parle, d'accord? Quand je parle, tu m'écoutes, ok? Attends, moi je suis là, j'attends, j'ai un rendez-vous. Toi tu viens me parler comme ça et en plus t'es là, tu lèves le ton? Non, 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 toi t'es là, t'es en train de m'aguicher depuis tout à l'heure, en me disant que t'es célibataire, ceci, cela, et après ça va aller se plaindre en disant stop au harcèlement, ceci, cela, alors que t'es là, mec, à me dire que t'es célibataire. Donc là, il y a un truc qui tourne pas rond, j'ai l'impression. Bon, j'ai le droit d'être célibataire, je fais ce que je veux. Ah, Toi tu tu es fais ce que tu célibataire veux. aussi. Ouais, et alors, c'est une raison pour venir dans ce genre de tenue comme ça? Mais je me suis mis beau gosse. Beau gosse pour aller voir une fille. Ben voilà, ben C'est après. normal. Mais après, il faut pas s'étonner quand tu traînes voilà, dans les rues le soir comme ça, etc. Il faut pas s'étonner, frérot. Tu traînes dans des endroits tranquilles comme Ça, je suis étonné de quoi? j'ai un Habillé rendez-vous, je vais aller voir une fille. habillé comme ça et tout dans ce genre de tenue. Faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner, mon pote. Bon, écoute, moi je fais ce que j'ai envie de faire, toi tu fais ce que t'as envie de faire. Là, j'attends une fille, donc tu vas pas me casser les Ok? Et tu vas me laisser. Bon. Désolé, désolé, on est parti sur de mauvaises bases. J'aurais de très mauvaises bases parce que là, je suis en train de ça commence à m'énerver. Non, non, mais Laisse-moi tranquille. ne t'énerve pas, on va reprendre la conversation. Je suis désolé. Il n'y a pas de conversation. Moi, j'attends et toi, tu cherches ton carrefour. Non. Va chercher ton carrefour, laisse-moi. En fait, je me suis un petit peu emballé. En fait, ce que je voulais juste voir avec toi, c'est au pire, si tu veux, moi, j'ai un peu d'argent sur moi, t'as vu? Et c'est vrai que ben moi j'aime bien aider tu sais genre T'as quoi là sur toi? là normalement je crois j'ai 70 euros sur moi. Ok. C'est pour juste te donner de l'argent parce que tu me fais un peu pitié. Tiens, et bien donne-moi ton argent. Comme ça après peut-être que tu pourras aller au restaurant ou inviter la fille au restaurant ou quoi, ça pourrait être sympa, non? Ok, ben c'est cool, donne-moi ton argent. Ok, juste avant, est-ce que je peux voir ta coupe frérot, ta coiffure? Pourquoi t'as envie de voir ma coiffure? Non parce que moi je connais un bon coiffeur, franchement, t'as vu? Et si tu veux te mettre beau gosse et tout. Parce que franchement, je voulais pas te critiquer, t'as vu? C'est juste que, en fait, ce que je veux dire, c'est que t'exploites pas ton potentiel comme tu pourrais l'exploiter. J'exploite comme jamais mon potentiel. Déjà, la capuche et tout, frérot, t'as vu? La meuf, ça risque de lui faire peur. S'il faut, elle va. Ah bon? Ben ouais, elle va te voir au loin, peut-être, elle va pas venir. Moi, je dis, tu devrais enlever la capuche. Enlève la capuche, fais voir la Mais coupe. attends, je vais enlever la capuche. Juste fais voir la coupe, frérot. Elle t'a appelé là? Non, non, non. Elle t'a dit qu'elle arrivait Non, non, dans combien? dans combien de temps elle arrive? Non, pas longtemps, mais c'est pas tes affaires. Regarde juste ma coupe, dis-moi si ça te plaît, et après tu dégages. Ben là, franchement, gros, je te jure, beau gosse, t'as vu? Ah ouais, tu trouves? Là, sans la capuche, c'est parfait. Parce que t'as vu la capuche, la meuf, elle a Mais ça devait. l'air de te voir au loin et de prendre peur. T'as vu, c'est. C'était en. T'es capuche et tout, frère. Frérot, Ouais, mais ça fait un peu bonhomme, un peu street, la capuche. Les filles, elles aiment bien ça. J'aime bien un ouais. peu les mecs de la street, c'est. Ah, mais après, ça peut aussi impressionner, t'as vu, franchement. Bon, après, t'as fait un effort sur les chaussures, c'est bien. Mais du coup, ben non, t'inquiète, hein, je vais pas te déranger plus longtemps. Mais elle s'appelle comment, juste la. La fille Pourquoi que. t'as besoin de savoir son nom? C'est une affaire entre elle et moi, t'as pas besoin de savoir son Non, nom. non, c'est juste pour savoir si je la connais ou pas, parce que moi, je connais pas mal de monde dans le quartier, et je voulais juste savoir, tu sais, moi, j'aime bien les. Mais tu t'es Ah, dit, tu veux essayer de me la piquer? non, non, je te jure que non, frérot. Moi, j'ai une femme et tout. Je te jure que non, je. Moi, je suis Je sais déjà. pas, t'es là, tu viens me voir, tu me parles de. Tu commences à me parler pour rien, tu veux savoir son nom, t'es bizarre, toi, un peu. Non, juste savoir comment elle s'appelle pour voir si je la connais, t'as vu? Parce que moi, je te dis, j'en connais et il y a des filles ici, elles bizarres un peu. Donc, si tu me dis et tout, je préfère, t'as vu? Mais je la connais même pas, moi, frérot. C'est tous des numéros dans mon répertoire. Moi, c'est. Si c'est 1, 2, 3, 4, je sais même pas. On va venir, on va vite te parler, on va faire ce qu'on a à faire, et après, hop. Mais t'as pas son prénom? Non, j'ai pas son prénom. Et c'est. Mais tu. Que, comment tu. Je sais pas, genre. Je l'ai appelé par un numéro. Un numéro? Bon, écoute. Numéro de téléphone, tu l'as appelé? Plus je te le dis à toi, frérot.
Ouais. Non, je l'appelais par son... je l'appelais, elle m'a dit une fois son nom. Elle s'appelle Manon. Ouais. Voilà, c'est tout. Je sais pas son nom de famille, je connais juste son prénom. Voilà. Ah, ça me dit quelque chose. Bah, tu vois, ça me dit quelque chose. Parce que... Manon? Ouais, ça me dit quelque Il y a chose. plein de Manon ici. Elle est grande un peu, non? Moyenne. Un peu grande, genre. Genre, je dirais, genre, un peu costaud, non? Non, non, elle est plutôt fine, moyenne. Ouais. Elle est comme moi, beau gosse. Parce que moi, je te dis ça comme ça, gros, mais je l'ai croisée vers là-bas, avec ses potes. Non, ça ne devait pas être elle. Il y en a plein des Manon ici. Je crois que c'était elle, parce que Non, non, non. si elle était avec ses potes, et elle m'a dit, ouais, j'ai rendez-vous avec un gars et tout, je sais pas quoi. Non, 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 ça peut pas être elle. Vu comment tu me l'as décrit, ça peut pas être elle. Elle m'a dit, ouais, j'ai rendez-vous avec un gars, et genre, j'arrive pas à le joindre et tout, genre, je sais pas quoi. Genre... Non, 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 c'est pas elle. Moi, je suis joignable. Si elle a un problème, elle m'appelle. C'est pas elle. On parle pas de la même. T'es Déjà, sûr? celle que je te dis, elle est bien. Toi, tu me décris un ogre. Tu me décris. Non, Elle mais. est très bien. Attends, bouge pas. Comment ça, bouge pas? Oh frérot, elle est là-bas. Elle est... Non, 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 Si, elle est je te pas jure. là-bas, elle est pas là-bas, elle doit arriver dans 5 minutes, Non, elle doit pas arriver maintenant, elle est pas là. elle, bah, par contre, elle est avec ses copines. Elle est là, elle est là-bas, là, derrière le camion. Il n'y a personne Attends, là-bas. je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle. Mais qu'est-ce que tu dis? Oh Manon! Dégage, dégage! Casse-toi, casse-toi, Attends. dégage! Manon! Casse-toi! Viens voir, S'il te plaît! Quoi? Dégage, je te dis, Mais dégage! attends, attends, mais Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as rien. Moi, je suis là, j'ai attendu depuis un quart d'heure, toi tu viens, t'es là, tu mon cou? Tu m'as dit que t'avais rendez-vous. Dégage! Va ton carrefour, dégage là. Non, gros, j'ai. Oh, ça va? C'est qui lui? Ça va, tranquille? Tranquille, Bien? hein? Bah, c'est Comment Manon! ça va? Quoi? C'est qui toi? Je suis qui, moi? Tu m'as donné rendez-vous ici, ça fait 3 mois que tu m'harcèles. Comment ça, je t'harcèle? 3 mois que tu m'harcèles, tu me dis ouais. Mais qu'est-ce qu'il me dit lui? C'est qui lui? Mais c'est qui? c'est C'est Manon! sa copine à Manon! Mais comment ça, C'est sa copine Manon? à Manon! Comment ça, Manon? Manon, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire, Manon? Manon, je la prends, je la... Va pas le voir, va pas le voir, c'est bon, il y a eu ce qu'il méritait. Mais on commencera plus. Franchement, non, franchement, c'est. C'est franchement bien joué. Il aurait même pas dû me retenir, déjà.